Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY et aujourd'hui, il s'agit d'un dupe de l'huile du serpent. Je te rappelle que si tu as envie que je réplique un produit du commerce, tout se passe sur Instagram, suis-moi là-bas et envoie-moi un MP avec ton produit spécifique. L'huile du serpent est un soin capillaire en provenance du Maroc, bien entendu rien à voir avec l'animal, puisqu'en fait c'est juste un clin d'œil à la mythologie grecque. Il s'agit d'un complexe d'huile végétale précieuse. C'est un soin fortifiant qui permet de redonner du tonus aux cheveux, de protéger la fibre capillaire et aussi d'apporter du volume. Comme d'habitude, l'intégralité de la recette disponible en pourcentage et aussi en grammes est sur le site kellybeauty.com. J'utilise ici 79,8% de l'huile de soin cheveux. J'intègre 10% d'huile de souchet, 10% d'huile de roquette. Je termine par 0,1% de vitamine E et d'huile essentielle d'ylang-ylang. Il suffit ensuite de mettre en flacon et de l'agiter. Et c'est prêt! J'espère que ce tout nouveau dupe vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Soutenez-moi en likant cette vidéo et en la repartageant auprès de vos contacts sur tous les réseaux sociaux. Si ce n'est toujours pas fait, file vite t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours alerté des nouveaux DIY. Tu peux, si tu le souhaites, télécharger mes ouvrages au format d'e-book qui sont disponibles sur le site. Tous les liens sont en barre d'informations. À bientôt les câlinettes!